vous sur Télétourmel. Nous sommes présents ce matin sur l'école Jules Ferry pour les Jeux Olympiques de l'école. Vous pouvez vous présenter, nous expliquer pourquoi vous organisez cet événement sur votre école. Alors, nous sommes une école labellisée Génération 2024. Donc, nous avons tout un travail fait autour des Jeux Olympiques et nous avons fait une année vraiment thématique sur le sport. Nous organisons cette semaine la semaine olympique et paralympique. La thématique, c'est l'inclusion et donc nous organisons nos Jeux Olympiques où nous avons invité quelques classes d'autres écoles d'Amboise. Quelles sont les activités que les enfants vont pouvoir retrouver sur cet événement? Alors, nous allons pouvoir retrouver du paravolet avec le club de volet. Nous allons également avoir du hand-fauteuil. Les enfants vont pouvoir se tester un match de hand en fauteuil. Nous allons également avoir du torball. Et puis, nous aurons également des escape games, d'organiser des ateliers sur la différence. Et nous avons la chance d'avoir un atelier aussi avec deux personnalités sportives. Monsieur Claude Issora, qui a eu 14 médailles aux Jeux Olympiques en para-athlétisme, et Alex Adélaïde, qui a eu une médaille aux Championnats du Monde en para-athlétisme. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV3N. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Bonjour. Vous êtes présent sur l'école Jules Ferry pour les Jeux Olympiques de l'école de Jules Ferry. Pouvez-vous nous expliquer votre atelier et pourquoi cette animation sur cet établissement? Oui, alors c'est un établissement sur lequel on est déjà intervenu cette année. On a déjà fait une sensibilisation auprès des enfants. Voilà, c'est plus une sensibilisation au handicap à travers le sport qu'on effectue aujourd'hui. Principalement. Et en quoi consiste cette sensibilisation? Les jeunes vont pouvoir tester des fauteuils, participer à des matchs? Oui. Les jeunes vont avoir un atelier manipulation sur un côté du terrain avec une institutrice. Et moi, je vais les prendre un autre groupe donc pour effectuer des petits matchs, des petites rencontres. Voilà. Et vous êtes sur quel club? Vous êtes sur un club tourangeau ou... Oui, on est pas loin. On est au club de handball de Jouy-les-Tours. On a une section hand-fauteuil qui est créée depuis 2010. Et voilà, et en dansant même avec une section aussi également adaptée pour la déficience intellectuelle. Et on peut vous retrouver sur quel support? On a un Facebook sur le Facebook du club. Voilà, essentiellement sur Facebook. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Parce qu'effectivement, je suis en fauteuil roulant. Alors moi, j'ai mon handicap, j'étais bébé, j'avais 9 mois, parce que je n'étais pas vacciné contre la polio. Parce que tout cela, vous avez eu le DT polio. C'est un vaccin qui est très important à prendre, et je crois que c'est tous les 5 ans. Donc voilà, donc je n'avais pas pris le vaccin, et je suis originaire de la Guadeloupe, et il y a eu un ouragan, et j'étais touché par de l'eau qui était très sale. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop jouer avec l'eau sale. Donc j'ai été touché par cette eau et ben il y a le petit virus polio qui est rentré et qui a atteint ma maladie pépinière. Et c'est de là mes jambes, voilà, j'ai eu la fièvre, j'étais malade et ils se sont aperçus que j'ai eu la polio et ben mes jambes ne se sont pas développées. C'est pour ça. Alors j'arrive à bouger les jambes, celle-là j'ai récupéré, mais si vous voyez bien, oui j'ai encore mes jambes. Lui il n'a pas, mais moi j'ai. Donc mais j'ai les jambes qui ne sont pas développées. Donc il fait que musculairement, voilà, je peux me mettre debout. Mais je ne peux pas marcher longtemps, voilà, c'est fragile, mais c'est surtout je ne peux pas marcher longtemps, je me fatigue parce que je n'ai pas les muscles. C'est vrai que les muscles, c'est un élément qui est important dans le corps. Donc voilà, donc j'ai mon handicap à l'âge de 9 mois et donc j'ai grandi avec. Donc autant je peux être en fauteuil, autant aussi je peux mettre debout, mais je suis mis en fauteuil parce que je me fatigue moins. Donc voilà, donc j'ai grandi comme ça, j'ai fait les hôpitaux, les centres et j'ai adapté ma vie en fonction de mon handicap. D'accord? Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a un handicap, on peut tout faire. On peut faire du sport, on peut faire de la cuisine, on peut conduire. On peut tout faire. On s'adapte à l'environnement, on s'adapte à tout. Et j'ai commencé à pratiquer, comme vous tous, hein, quand j'étais gamin, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du basket. Et j'ai choisi de faire du sport de haut niveau, j'ai choisi de faire de l'athlétisme. Donc j'ai fait une carrière d'une trentaine d'années, j'ai commencé très très tôt. Et donc voilà, et puis j'ai fait des compétitions. Je vais laisser Alex, il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Alex Adélaïde, j'ai 20 ans de moins que Claude, 37 ans.
Donc, ben, j'ai pas eu le même parcours que Claude, donc, que ça soit sportif ou même dans ma vie. Je suis né sans mes jambes. Donc, c'est un handicap de naissance aussi. J'ai toujours connu ça. Je me suis aussi adapté à mon handicap. Je pense aussi, comme Claude, qu'on peut tout faire dans la vie. Suffit souvent. Après, c'est pas vrai sur la totalité des choses, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles, en fait, eh bien, on peut les faire avec de la volonté. Voilà, en trouvant des solutions qui sont des fois parfois uniques, propres à nous-mêmes, en trouvant des solutions pour faire comme les autres ou pour faire des fois mieux que les autres aussi. J'ai pas eu de parcours en centre de rééducation, en hôpitaux, comme a pu citer Claude. J'ai toujours été entre guillemets en milieu normal, quand, que ce soit à l'école ou dans mon entourage proche. J'ai pas fait de sport non plus parce que ben, c'était pas quelque chose. C'est pas comme vous en fait, où vous avez accès au sport, vous pouvez faire du foot, du basket, du tennis, etc. Le handisport c'est quand même assez restreint comme milieu. Et donc j'avais pas d'opportunité de faire du sport, du handisport. Donc je m'en suis pas spécialement occupé, j'étais à l'école. Voilà. Et à un moment donné dans ma vie, en fait, ben, je me suis dit, je veux faire de l'athlétisme au fauteuil. Et donc ça a été mon premier sport. Je veux faire de l'athlétisme au fauteuil. J'ai commencé l'athlétisme au fauteuil. J'ai vu que ça me plaisait bien. Peut-être aussi parce que j'avais cette volonté dès le début d'en faire. J'ai vu que ça me plaisait bien. J'ai vu que le niveau au niveau français n'était pas. En tout cas, me paraissait pas inatteignable. Peut-être aussi c'est une question d'avoir une grande confiance en soi, de se dire qu'on peut faire mieux et qu'on peut y arriver et qu'on peut battre les autres. Et donc j'ai persévéré, j'ai aussi fait des bonnes rencontres qui m'ont permis de progresser beaucoup plus vite, jusqu'à atteindre le niveau et à faire les championnats d'Europe, championnats du monde et les Jeux paralympiques. Et voilà. Et après, au-delà du sport, j'ai eu une vie, jusqu'à présent, une vie tout à fait normale. Donc, c'est-à-dire en allant à l'école, avec mes relations, que ce soit relations avec les copines, le travail, ainsi de suite. Voilà. Vous avez commencé le sport à quel âge, du coup, tous les deux, on va dire à un rythme un peu soutenu. À soutenu. Plutôt adulte ou déjà Ouais, j'avais, on va dire, j'avais 21-22 ans. 21-22 ans, ouais, quand j'ai commencé. Enfin, à faire vraiment moi, de la compétition, ouais, j'ai commencé très très jeune, quoi. Après, bien sûr, moi, mon parcours, par rapport à Alex, c'est vrai que moi, bon, vu que j'ai fait, par exemple, j'ai passé du temps à l'hôpital, j'ai passé 16 ans à l'hôpital, rééducation, opération, j'étais dans un centre de rééducation, centre professionnel, donc j'ai toujours... gravité autour de l'handicap, quoi. Voilà, moi, contrairement à Alex, l'handicap, pour moi, n'était pas, voilà. Voilà, j'étais pas surpris, quoi. Avoir un amputé, sans jambes, avec jambes, ou polio, etc. J'ai vécu là-dedans, quoi. Mais vous, l'effort, parce que ça, avoir la volonté permanente. Mais après, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, voilà, Alex, il est né sans jambes. Voilà, on s'adapte. J'adore. Il s'est pas dit, c'est naturel. J'ai toujours, c'est comme une personne qui naît sans la vision, il développe un sens. Voilà. Donc Alex a développé un sens parce qu'il est né comme ça. Moi, c'est 9 mois, mais c'est comme si je suis né comme ça. Donc on développe des sens, quoi. Donc qui fait que pour nous, moi j'ai toujours que je suis conçu comme ça. Voilà, j'ai été conçu comme ça. C'est mon handicap. C'est mon handicap. Je pense qu'en fait, moi en tout cas pour le côté sportif, j'ai pas eu le goût de l'effort, voilà, c'est venu un défi, à me dire je veux aller aux Jeux Paralympiques. Donc à la base c'était je veux aller aux Jeux Paralympiques de 2012, donc Londres. Sinon, j'étais pas spécialement intéressé par le sport. J'étais comme la majeure partie des Français à regarder le sport, donc à avoir cette âme de sportif, à aimer regarder le sport, mais moi en faire, je trouvais que c'était plutôt une contrainte. Donc oui, je le voyais comme une contrainte de faire du sport. Et c'est vrai que ça l'est. Je cache pas qu'il y a eu certaines fois en athlète fauteuil où j'avais pas spécialement envie d'aller m'entraîner. Et en fait, l'entraînement, j'ai pas la même approche du sport que Claude a pu l'avoir pendant sa carrière, parce que peut-être aussi parce que j'ai pas commencé jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 26 ans.
Donc vraiment, la première fois où je suis monté dans un fauteuil d'athlète, j'avais 26 ans. Voilà. Et oui, j'ai commencé vraiment très tard. Même faire du sport, tout court. J'avais fait sport. Et c'est vraiment en fait ce moment-là où en fait je me suis dit qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer à travailler comme tout à chacun et avoir une vie et c'est même pas forcément avoir une vie, c'est plutôt se dire est-ce que je me lance dans une activité et je vois ce que ça donne et avec tous les risques que ça comporte, ou est-ce que je continue à rester dans ma zone de confort, dans ce que je connais déjà, donc le travail. Donc bien sûr, après être allé à l'école, j'ai travaillé. Donc voilà, et en fait la question s'est posée à ce moment-là et j'ai décidé à un moment donné d'axer plus ma priorité sur le sport que le travail et globalement je ne regrette pas. Globalement je ne regrette pas du tout. Et alors pour les enfants, du coup, quand vous dites athlétisme, c'est de la course, c'est quoi d'autre? C'est de la course. Ah, c'est de la course, oui. Oui, l'athlétisme fauteuil, là vous avez des fauteuils de course qui sont sur mesure. Hein. Sur mesure, donc le fauteuil de Claude n'est pas le même que le mien parce qu'on n'a pas le même handicap. Vous auriez pu, au même âge, la même catégorie, vous avez des matériels différents, oui. Être en confrontation, oui. Pas forcément avoir le même handicap que son voisin quand on démarre la course. C'est ça alors, la question. Ce qu'il faut, l'anecdote, en fait, ouais. c'est que Claude, la première fois que j'ai rencontré Claude, après j'ai commencé l'athlète fauteuil, j'avais 25-26 ans. Et donc du coup, la première chose que moi j'ai faite, c'est que j'ai été me renseigner sur les meilleurs français. Donc bien sûr, Internet, j'ai été me renseigner, j'ai vu son nom, j'ai vu le nom d'autres français. Et la première fois que je l'ai vu en compétition, on était sur la même compétition. Ouais. La même course, moi je faisais que du 100 mètres et 200 mètres avant. Et donc je l'ai vu sur cette course-là. Et donc moi j'étais dans mon couloir, le départ était donné. Il a vu que j'ai failli le battre. Donc il a vu que j'ai failli le battre, il est venu me parler après la course. C'est comme ça en fait. On a été, effectivement, même si on n'avait pas le même âge, on a été confrontés en direct. Pas le même âge, pas forcément le même exactement handicap. Donc chacun peut avoir aussi son matériel adapté. Ouais. Il ne va pas y avoir des catégories selon. C'est justement, j'allais en venir. Ouais. En fin de compte, il existe 4 catégories, on va dire. 4 catégories. Il y a des catégories 54. Les 54, c'est eux qui ont toute la partie abdominale, c'est-à-dire qu'on peut se tenir. D'accord. Les 53, c'est des paraplégies, ouais. Pas d'abdos, okay. Pas de lombaires, donc ils font ça, ils tombent. Ouais, d'accord. Ils ont une coque. Voilà, d'accord. Après, il y a les catégories 52 et 51, c'est des tétraplégies, donc c'est toute la partie... Les quatre membres sont touchés. Voilà, quatre membres sont touchés. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'un 52 et 51 ne pourra jamais concourir dans notre catégorie, avec nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Un 53 et 54, c'est tout ce qui est 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres, c'est en catégorie. Après, et 800 mètres. Et à partir du 1500 mètres, les 53 et 54, c'est, voilà, il n'y a plus, vous voyez, parce qu'une fois qu'on est lancé, parce que la difficulté, c'est que, effectivement, quand on se lance, le fait d'avoir des abdos, ça aide. Alors qu'un 53, le fait de ne pas avoir d'abdos, bien que maintenant, les 53, parce que le matériel a évolué, a énormément évolué, donc ça diminue, mais sinon, c'est vrai que moi, en tant que, voilà, j'ai des abdos, c'est vrai que je peux partir plus rapide parce que j'ai toute la partie haute, je peux gainer, alors qu'un 53, un paraplégie ne pourra pas gainer. Donc, après, c'est pour ça. Après, malgré le fait qu'il y ait ces différentes catégories, il y a toujours quelque part une certaine injustice parce qu'on n'a pas le même handicap. Et c'est impossible. Chaque personne, même dans une même catégorie de handicap, on prend par exemple deux personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Il y a certaines personnes en fait qui n'ont pas l'usage de leurs jambes mais qui vont pouvoir bouger. Ou qui ont des sensations, voilà. Qui peuvent quand même pouvoir un petit peu. Donc du coup, en fin de compte, ça va avantager ou désavantager telle ou telle personne. Vous voyez, les enfants, c'est ce qui vous explique, c'est que même chez nous, les valides, on est tous différents. Il n'y a pas une personne qui est la copie conforme d'une autre, même chez les jumeaux. C'est pareil pour les handicaps, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ah, bien sûr. Non. Et ce qu'il faut, c'est... Ouais. Ce qui prévaut vraiment, au-delà du fait qu'on soit, que les athlètes soient classés par catégorie, ensuite, une fois qu'on est dans une catégorie, par exemple, Claude et moi, on est en catégorie T54. Une fois qu'on est dans cette catégorie-là,
qui prévaut, c'est la performance. On se soucie pas de savoir est-ce qu'il a cet handicap-là et que ça le désavantage ou est-ce que ça l'avantage. La performance, ouais, en fait, c'est vraiment... L'égalité, en fait, le juge de paix, si vous voulez, en fait, eh ben, c'est le chronomètre. Pour un athlétisme fauteuil, c'est chronomètre. C'est qui va gagner. Est-ce à la course. Vous avez quand même des normes au niveau de votre matériel. Parce que s'il y en a un qui a un pneu plus grand que l'autre, et que... Enfin, j'imagine quand même... Oui, il y a des normes, il y a des normes. Il y a des tailles de roues. Tailles de roues. Que ce soit les roues arrière ou avant. La longueur du fauteuil, il ne faut pas qu'il mesure plus de 2 mètres. La roue avant, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 400. Voilà. Oui, c'est bien grand. Mais après, on ne va jamais à 2 mètres parce que plus le fauteuil est long, moins il est nerveux. Quoi. Et donc, après, sur un marathon, why not, une fois qu'on est lancé. Mais sinon, non, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais expliquer techniquement quelques points sur le fauteuil. Donc, ça, c'est des fauteuils, en général, c'est des fauteuils qui pèsent entre 7 et 9 kilos. D'accord. Donc, là, cette partie-là, donc Alex, tout à l'heure, il va vous faire une démonstration. Donc, il va monter dans le fauteuil. Et va vous faire une démonstration techniquement comment on pousse le fauteuil. Donc cette partie-là, donc, vous avez de la roue arrière, d'accord? Et c'est sur cette partie-là qu'on pousse le fauteuil. Tu as tes gants? Oui. Ouais. Mais quand on tape, quand on pousse le fauteuil, donc ça va très vite, donc pour pas se blesser, voilà, vous faites passer les gants. Pour ne pas se blesser, on met des gants. C'est comme les gants de boxe. Ah oui, ils sont particuliers ces gants. Voilà. Après, il y a plusieurs types de gants. Donc maintenant, ils font des gants en 3D et désolé, je ne les ai pas ramenés les miens. Quand la roue elle tourne très très vite, ça peut brûler la main. Voilà, exactement. Ce qui arrive à tout athlète en fauteuil, c'est que parfois on peut faire un faux mouvement et rater la main courante. Et donc forcément, le bras en fait, il est quand même très très proche de la main courante. Ah. Donc du coup, la roue elle continue à tourner. Et le bras, il se fait brûler au niveau de l'intérieur de coude. Vous n'êtes pas sujet aux tendinites? Si. Oui. Si, c'est des épaules. Ouais, les épaules. Plutôt les épaules. Alors, oui. Vas-y. Oui, mais c'est juste que sur les fauteuils, on voit la roue est, disons, accrochée. Mais du coup, il faut bien mettre son bras au bon moment, parce que si jamais on se prend le... Non, regarde. Voilà, justement, bonne question. En fin de compte... Sur un fauteuil, par exemple, moi, mon fauteuil de tous les jours, tu vois, donc ça, c'est le cerceau, ce qu'on appelle la main courante, d'accord? Je vais la pincer, tu vois, je reviens, tu vois, je la pince, je la tiens. Tu ne la prends pas comme ça? Voilà, je la prends comme ça, tu vois, mais parce que je ne vais pas vite, mais quand ça va trop vite, on ne peut plus tenir, tu vois, imagine-toi que ma roue, je prends une descente, je suis à 50 à l'heure, à un moment, le bras, il suit plus. D'accord. Donc c'est pour ça que on a des gants et la main courante, on la boxe, tu vois. Tiens, regarde, la main courante, je vais la lancer. À ton avis, je peux plus essayer de la tenir. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. En fin de compte, je la boxe, tu vois. Je boxe la main courante. Bon là, je commence à avoir mal parce que j'ai pas les gants. Donc c'est pour ça qu'on a des gants, d'accord. Parce que en fin de compte, la main courante. On ne la tient pas, on boxe la main courante, d'accord? Donc Alex, il va te montrer. En général, on vient ici, jusqu'ici, et le bras, il part derrière, et on remonte, tu vois? C'est comme si je faisais ça. Okay. Tu vois? Voilà, parce qu'à cette vitesse-là, on ne peut plus tenir la main courante. À partir de, allez, je dirais 15-20 à l'heure, c'est fini. Et la vitesse qu'on peut atteindre sur une piste, c'est, on peut aller à, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça va très vite, ça va à 38 à l'heure, quoi. 38 km/h. Un scooter. Voilà, comme un scooter, ça va très vite. Ça va très vite. On ne maintient pas cette vitesse. On ne maintient pas cette vitesse, hein. C'est un pic. Mais voilà, c'est... peut être à 37-38 km/h. Voilà. Et alors, comment vous manœuvrez? Alors, c'est très simple. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle donc la roue avant, la fourche, et vous avez le guide. Et c'est par rapport quand on veut tourner. Par exemple, quand on est sur la route, on veut tourner, on fait ça. Vous voyez? Donc voilà. Voilà. Okay. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision, si vous avez déjà vu à la télévision des coureurs en fauteuil sur la piste, sur une piste d'athlétisme. Vous avez déjà vu, d'accord? Donc une piste d'athlétisme, c'est une ligne droite et un virage, d'accord? Donc là, on va dire que là, je suis dans la ligne droite. Donc je vais pousser le fauteuil, je vais le pousser, il va aller. Mais quand je vais arriver dans le virage, d'accord, ben le fauteuil va continuer à aller droit. Donc pour pas qu'il aille droit, pour qu'il aille... pour qu'il épouse la courbe, d'accord, on a ce qu'on appelle un correcteur de devers. Donc là, je ne sais pas si vous verrez, si vous voyez, allez, je fais ça, je vais taper et la roue, elle s'incline. D'accord. Donc là, je suis en ligne droite et là, je suis en virage.
Donc c'est pour ça que souvent, quand on est sur la piste, quand on arrive dans le virage, on tape. Donc on tape le correcteur de verre pour que la roue s'incline. D'accord. Mais ici, on a deux vis, c'est pour faire le réglage hein, par rapport à la vitesse. Et quand on tape, on est en virage et on continue à pousser. Et quand on va aller être en ligne droite, on tape de l'autre côté pour que la roue avant se mette en ligne droite. Pendant qu'on tape sur le correcteur de verre. Du coup, on arrête de pousser. Non, il y a toujours, on n'arrête jamais, il y a toujours un bras qui est toujours en mouvement. Tu vois, tiens, regarde, là, je poussais. Et là, je vais arriver dans le virage, je continue à pousser et je tape. Okay. Il y a toujours un bras qui est en mouvement, justement, pour ne pas perdre de vitesse. Et après, c'est aussi un mouvement que. En fait, par exemple, à la télévision, c'est pas forcément décidable parce que il y a toujours une recherche de vitesse. Et donc, forcément, le temps où un athlète n'est pas en train d'agir sur la main courante, c'est du temps où il va perdre de la vitesse. Et donc, il va perdre en termes de chrono, son chrono va être moins bon. Donc, du coup, en fait, c'est quelque chose de très rapide. Il va faire ça. Bam, il va continuer ouais. Tout de suite, mais vraiment très très vite. Tu l'as m'envoie. Tu as une question? Comment on fait pour mettre les jambes là? Alors comment on fait? Alors ici, attends, je vais retirer ça. Ouais. Alors Alex, lui, je ne sais pas si tu as vu, Alex, lui, comme il n'a pas de jambes, d'accord? Donc lui, il est monté directement, d'accord? Alors ici, en général, on prend les jambes. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'on prend les jambes et on les passe à l'intérieur, tu vois? Donc en fait, voilà. Donc on est, si tu veux, dans le fauteuil, on est comme ça. Dans le fauteuil, tu vois, on est comme ça. Alors, si ça fait pas mal, ça fait un peu mal. Moi qui ai la sensation des jambes, au bout d'une heure, je commence à avoir mal ici. Parce qu'on a la sensation, parce que c'est pas, si tu veux, c'est pas une position, on va dire, naturelle et confort. Donc, on a forcément mal. Moi qui ai la sensation, mais par exemple, un paraplégie ou un tétraplégie qui n'a pas de sensation des jambes, lui peut rester des heures et des heures, quoi. Et c'est pour cela que je faisais plutôt la piste, j'étais plutôt un pistard. Parce que faire des marathons, 1h30 sur un marathon comme ça, ne pas avoir mal au bras, mais il faut avoir. Voilà, rapidité. Il y a aussi quelque chose en fait, que votre maîtresse disait tout à l'heure par rapport au fait qu'on est tous différents, et tous pareils et en même temps tous différents, c'est qu'on a des aptitudes qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont être. Par exemple, moi aussi, comme Claude, j'ai plus eu tendance à faire des courses sur piste parce que je suis pas quelqu'un de très très endurant. Une personne qui fait un marathon a besoin d'avoir cette endurance. Mais à l'inverse, une personne qui est un marathonien qui va faire une course par exemple à 100 mètres, oui. il va pas être excellent. Voilà. Et donc moi j'étais plutôt très bon sur du sprint, donc des distances courtes. Il faut beaucoup d'explosivité, beaucoup de vitesse et beaucoup de force. Et par contre, moins bon sur des courses où il fallait de l'endurance. Okay. Question? Pourquoi il ne faut pas plutôt le bas du fauteuil un peu plus mou? C'est-à-dire? Pour faire un peu moins mal. Non, mais après, si tu veux, tiens, regarde. Tu vois le fauteuil ici, là? Tu vois? Là, les jambes, elles viennent se reposer. Ça, c'est une toile, tu vois. Voilà, c'est mou, ouais, c'est une toile. Voilà. Voilà. Après, il y en a où c'est dur. Mais ceux qui sont durs, c'est ceux qui sont super flexibles à ce niveau-là. Tu sais, c'est comme, voilà, moi, ce que je dis, ceux qui ont des handicaps où ils peuvent avoir les jambes comme ça, c'est voilà, comme ceux qui font de la danse classique où ils peuvent avoir les jambes, tu vois. Toi, je sais pas si tu tends, moi, pas non, je peux pas aller. Voilà, c'est une question de souplesse à ce niveau-là. Mais encore, ceux qui sont par exemple paraplégiques ou tétraplégiques, eux, la souplesse, sinon, parce qu'ils ont, voilà, ils sentent rien, ils peuvent. Donc, ça, c'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème. Voilà. Donc, là, mon fauteuil, il est sur ce qu'on appelle un home trainer. Donc, home trainer, en fait, et ben, c'est un mot anglais, forcément, qu'on pourrait traduire en entraînement à la maison, vélo d'entraînement, voilà. Ah. C'est un peu le même principe que sur le. Ouais, vélo d'appartement, voilà, ouais. Exactement, vélo d'appartement. Ouais. Et ça fait moins sportif. Ouais, ouais. Donc du coup, le home trainer, personnellement, j'ai jamais aimé ça.
je préfère aller, même si les conditions climatiques ne le permettent pas forcément toujours, je préfère aller sur mon traîneau en extérieur que sur mon traîneur. L'avantage du home trainer, c'est que ça permet de travailler la technique, parce qu'il y a quand même une technique à avoir en fauteuil. Il ne suffit pas juste de pousser les mains courantes et d'être le plus fort physiquement. Et ça permet aussi de, bah justement, par exemple, quand il fait froid ou quand il pleut, de s'entraîner, de continuer à s'entraîner, de faire un entretien. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment ça marche avec les gants. Donc, bien sûr, les gants, je peux les fermer, et je dois les fermer d'ailleurs. Moi, j'ai jamais été trop adepte à avoir le poing fermé parce que ça faisait tétaniser mes muscles. Donc, du coup, quand les muscles sont tétanisés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sang dedans. Et à un moment donné, on perd de l'énergie. Donc j'avais quand même une certaine souplesse au niveau de la main. Et donc voilà. Par exemple, là, si je viens faire un départ, regardez, bien sûr, le départ, on est comme ça. Voilà. Moi, je me mettais sur les deux doigts, mais la majeure partie des gens sont sur le pouce. Donc ils vont faire avant-marque. Donc avant-marque, on se place sur la ligne, voilà, il y a la ligne de départ, tout le monde se place, on a le temps de se placer. Ensuite, ils vont dire prêt. Après, on ne doit plus bouger. Donc, c'est comme les athlètes valideurs en athlétisme. Après, on ne doit plus bouger. On doit tout contracter. Et une fois que l'arbitre a donné le top avec le pistolet, eh ben, on part le plus vite possible. Donc, à vos marques, prêt. Voilà. Ça va être à peu près ça pendant 100 mètres, pendant 400 mètres, pendant 800 mètres, avec bien sûr s'il y a besoin de passer un sol. Sur un 100 mètres, il n'y a pas besoin de, comme on sait que c'est tout droit, il n'y a pas besoin de se poser la question et de relever la tête. Sur un 400 mètres par exemple, ou un 200 mètres, forcément, je ne peux pas être en train de pousser comme ça tout le temps. Ça peut être multitâche quand même. Hein. Et je vais être obligé de regarder, d'anticiper. Et surtout que malgré le fait qu'on ait un correcteur trajectoire, ce correcteur trajectoire, il va donner une courbe grossière du virage. Chaque piste est différente. Et donc chaque virage sur les pistes qu'on peut faire d'athlétisme sont différents. Et ça va dépendre en fait, et ben par exemple, ça peut dépendre du vent, ça peut dépendre de la vitesse à laquelle on arrive en virage et du moment auquel on passe le correcteur trajectoire. Oui. Et un terrain, ça fait combien de mètres, un terrain? Une piste d'athlétisme? Une piste d'athlétisme normale, ça fait 400 mètres. Après, il y a des pistes d'athlétisme en intérieur qui font 200 mètres. Ouais. Qui font 240 mètres, qui font 300 mètres, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des chutes possibles? Oui. Des bonnes chutes. La majeure partie des chutes, Claude peut en attester parce que c'est lui le spécialiste. Non. La majeure partie des chutes, en fait, c'est sur des courses en peloton. Parce qu'on forcément en course en peloton, c'est-à-dire qu'il y a une recherche d'aspiration aussi qui peut se faire parce que quand on est derrière un fauteuil qui roule par exemple à 30 km/h, celui qui est derrière force un peu moins que celui qui est l'aspiration. Et en fait, sur ce genre de course, où on peut avoir quelqu'un à notre droite, à notre gauche, il peut y avoir des chutes et des contacts et donc des chutes. Surtout si ça se fait, par exemple, vous avez une ligne au premier couloir, au deuxième couloir, troisième couloir, donc voilà, tout le monde est empaqueté comme ça. Et c'est surtout quand on passe le stérine, c'est-à-dire il faut pas le passer, enfin le correcteur de verre, pardon, non, dit stérine. Quand on arrive dans le virage, si on passe le correcteur de verre trop tôt ou trop tard, par exemple si on le passe trop tôt, on est toujours en ligne droite, on part tout de suite. Ouais, voilà ça. Non, c'est oui. Puis à la vitesse. Après, quand on voit les vitesses, quand on voit le nombre. Il n'y a pas des chutes tout le temps, quoi. Mais ça peut arriver. Non, mais on maîtrise le fauteuil, il y a une maîtrise. C'est dangereux parce qu'une fois, par contre, vous êtes toujours sanglé à votre appareil ou est-ce que quand même il y a Ah bon, on est sanglé. Ouais. Ah, on est sanglé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. Ici, je prends un exemple. Hein. C'est-à-dire que là, quand on rentre dans le fauteuil comme Alex, je veux dire, aujourd'hui, on est sanglé. On a, ouais, là, il y a deux sangles, on est sanglé. Ah non, il faut faire corps au fauteuil. Ça veut dire que. Il faut qu'on domine le fauteuil, mais il faut faire corps au fauteuil, quoi. Il faut se sentir serré dans le fauteuil, parce que, je veux dire, pour pas avoir de perdition. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, en athlète valide, sur piste, il y a 100, 200, 400. C'est exactement pareil pour les fauteuils. Il y a le 100 mètres, il y a le 200, il y a le 400. Il y a les marathons aussi pour les fauteuils. Il y a des semis aussi pour les fauteuils.